On retrouve au Port des Créateurs différentes propositions, des expositions, au rythme de 2 à 3 expositions par an, qui sont souvent des groupes shows, c'est-à-dire des expositions collectives avec des thématiques qui sont raccord avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit, avec des jeunes artistes, des moins jeunes. À travers ces expositions qui sont relativement accessibles au public, on fédère un public autour de ces créations, de ces créateurs, et ça nourrit l'activité du lieu, du cœur de ville, du territoire. On y retrouve aussi des ateliers qui sont ouverts à tous, pilotés par des artistes du territoire, des artistes qui viennent d'un peu plus loin, sur des disciplines éclectiques, j'ai envie de dire, la danse, la musique, le dessin, la peinture, la sculpture, les arts culinaires même. Les artistes viennent chercher au Port des Créateurs un accompagnement, une communauté, des moyens qui sont mis en commun. Ici, en fait, le leitmotiv du lieu, le point de rencontre, c'est la création de commun. On a des outils qui sont mutualisés, on a des accompagnements qui se font collectifs aussi. On a du conseil, on a de l'expérience, on a du partage, et c'est ce que les artistes viennent chercher ici. Leur but est de perfectionner, j'ai envie de dire, la manière dont ils se confrontent à leur profession finalement.